Bonjour à tous, c'est Marion Buisson. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous proposer cette petite vidéo pour vous permettre de garder la forme dans cette période un peu compliquée de confinement. Vous avez besoin pour ça d'escaliers. Alors que vous soyez en maison ou même en appartement, dans votre immeuble, vous pouvez tous trouver, je pense, des escaliers pour réaliser ces exercices. Un petit exercice qui permet de travailler le cardio, qu'on a tendance à vite perdre, surtout quand on reste chez soi à pas faire grand-chose. Et ça va permettre aussi de travailler les quadriceps, donc au niveau des cuisses. Et surtout, mesdames, les fessiers. C'est parti! Alors, pour ça, vous avez besoin d'escaliers qui fassent au moins 15 marches pour que ça puisse être un travail intéressant. Au niveau des consignes importantes pour cet exercice, première chose, ne vous penchez pas pendant l'exercice, restez bien droit, sinon vous allez venir tirer dans les lombaires et vous allez avoir mal au dos. Deuxième chose, pensez à vos bras, il faut que vos bras soient actifs, dynamiques pour bien alléger votre corps. Troisième chose, pensez à bien respirer et surtout à bien expirer, souffler votre air pendant l'exercice pour éviter les points de côté et pour réussir à bien réaliser l'ensemble de l'exercice. Et enfin, faites l'exercice soit en basket, soit pieds nus, mais pas en chaussettes, vous risquez de glisser et de vous faire mal. Alors vous devez adapter cet exercice en fonction de votre état de forme. Pour ceux qui ont une petite forme, vous montez les escaliers 4 fois, redescente en marchant, puis vous récupérez une minute et vous recommencez. Et ça, vous le faites 4 fois. Pour ceux qui ont une moyenne forme, vous montez les escaliers 6 fois, descente en marchant aussi, puis vous récupérez une minute et vous recommencez. Et ce, 4 fois aussi. Enfin, pour ceux qui ont une grande forme, vous montez les escaliers en trottinant 8 fois, redescente, non pas en marchant, mais en trottinant aussi. Vous récupérez une minute, puis vous recommencez les 8 montées d'escalier. Et ce, 4 fois aussi. Bon courage à tous! Vous pouvez faire cet exercice avec vos enfants, sans aucun souci, ils vont adorer. Par contre, soyez vigilants vraiment dans les escaliers pour pas qu'il y ait de chute. Donc, à la montée, vous les gardez bien derrière vous, et à la descente, ils sont aussi derrière vous. Et à la descente, on ne court pas et on ne se bouscule pas. Avec vos enfants, s'ils sont jeunes et qu'ils ne peuvent pas suivre toute la séance à votre rythme, ce que vous avez aussi la possibilité de faire, c'est organiser un petit relais. C'est-à-dire qu'il y en a un qui monte avec maman, qui redescend avec maman, il tape dans la main du suivant, qui monte à son tour. Voilà, c'est ludique et ça permet de passer des petits moments sympas en famille.